rappeler que l'éducation, ce n'est pas une marchandise, donc son prix ne doit pas augmenter au même titre que le prix des bananes. C'est un bien collectif. Et nous, comme profs, en tant que prof contre la hausse, bien, c'est quelque chose qu'on veut partager avec le plus grand nombre de gens possible. Donc, évidemment, nous sommes contre l'indexation. Voter pour nous, c'est pas seulement élire la personne qui ensuite va nous donner des ordres, c'est prendre position au quotidien sur les enjeux qui nous concernent. Pas accès à l'université avec les frais tels qu'on les a actuellement. Donc, en ce sens-là, défendre le droit à l'éducation, si on veut le mener jusqu'au bout, c'est aussi défendre la gratuité scolaire qui doit être une utopie, qui est quelque chose qui est réalisable dès maintenant. On est aussi ici parce qu'on veut dénoncer la criminalisation des étudiants et étudiantes arrêtés, des dissidents. C'est plus de 3300 arrestations à caractère politique qu'on a vues au Québec depuis le printemps dernier. Il faut retirer les accusations envers tous ceux et celles qui n'ont fait rien d'autre que défendre leurs convictions sur la place publique. Est-ce que la victoire est bien faite?